Eh bien, bonjour. Bonjour. Ah, non, c'est moi qui pose la question, d'accord. Bonjour, Jacqueline, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. Tu es bénévole au club de Chevreuse depuis combien d'années? Allez. Et ta famille est impliquée depuis combien de temps? Donc, mon mari, j'ai été mariée 53 ans avec mon mari, donc ça fait déjà plus de 53 ans que je suis au club. Et mon père était dirigeant, mon frère jouait, mon beau-frère jouait. Enfin, on est pendant un moment sur 15 joueurs, il y avait 10 joueurs de la famille. 10 joueurs de la famille. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu fais tous les jours au club? Parce tout le monde parle de toi en disant le club n'existerait pas sans Jacqueline. Ben, tout ce que je fais au club, les matchs du rugby, le lundi, je commence par laver les maillots. Et puis le mardi, je leur fais à manger après l'entraînement. Le jeudi... Une spécialité de quiche. J'ai entendu parler des quiches de Jacqueline. Les quiches, les croque-monsieur, les hot-dogs. Puis bon, on leur fait des fois des plats bourguignons, choses comme ça. Il faudrait que je vienne pour un bourguignon. Ben alors. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, on était au mardi. Au mardi, jeudi, c'est pareil. Après l'entraînement, je leur fais une collation. Donc, et puis le dimanche, c'est souvent ce qu'on a vu aujourd'hui. Avant les matchs, je leur fais souvent un petit repas, un repas de joueurs. Aujourd'hui, il y avait un plateau qui était préparé, une table qui était préparée, collation d'avant-match. Collation d'avant-match. Avec la fameuse quiche. Voilà. Des plateaux de charcuterie, quiche, salade, et puis des desserts que je fais moi-même. Enfin, n'importe quoi, tout ce qui était là, sauf la charcuterie, c'est moi qui l'ai préparé. C'est parfait. Voilà. Écoute, je voulais qu'on mette en exergue la qualité d'une bénévole sans qui les clubs n'existeraient pas. Voilà. Puis après les matchs, le dimanche, je leur fais, c'est pareil, une collation. Ouais. Je leur fais des gratins de pâtes, qui est souvent apprécié par les autres clubs. Ah, parce qu'ils partagent aussi, tout le monde partage. Oui, tout le monde. Oui, je fais pour les deux. Ouais, en fait, tu ne fais pas de vin par contre. Ah non, du vin, non. Là, je leur mets, moi, du coca et de l'orangina, et puis après... Ils en boivent pas. Et ils prennent de la bière comme ils veulent, voilà. Mais il faudrait qu'ils boivent un peu de coca et d'orangina aussi. Voilà, tout à fait. Voilà. Jacqueline, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le rugby. Il n'y a pas de quoi, moi, ça m'occupe. Je crois que ça fait très plaisir au club d'avoir... Oui, et puis bon, les joueurs sont contents, enfin bon... Félicitations, ça sera le dernier mot, les joueurs sont contents. Merci à toi.